Obrigado. Thank you. Thank you, thank you. Next year for Institute? You go. Yes. Perfect. I wait to you. Okay. Salut YouTube, c'est Coach. Tiens, ça va ou quoi? Aujourd'hui, je te fais gagner la Panaball signée par Neymar parce qu'on atteint les 500 000 abonnés. Merci à tous pour le soutien, mais ça sera à la fin de la vidéo. Également, comme tu l'as vu dans le titre, je vous emmène avec moi à rencontrer Neymar. Je vous explique tout ça en fin de vidéo. Avant ça, tu dois t'abonner à la chaîne si tu veux être sûr de suivre la série de vidéos que je suis en train de te préparer et d'activer la cloche de notification pour être au courant de chaque sortie de vidéo. Il est temps maintenant d'aller voir comment s'est passée cette journée où on a rencontré Neymar, mais également les vainqueurs du tournoi France Neymar 5. La team Caméléon, vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Ok, bon, voilà, on vient d'arriver à l'endroit du shooting, je suis un petit peu en retard comme d'habitude, mais derrière moi, il y a les team Caméléon, je vous l'ai présenté tout à l'heure, là, on va aller jouer un peu avec eux. Ok, 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 les youtubeurs, tu vois, ils m'ont mis direct dans les conditions. Team Caméléon, winner du tournoi Neymar 5 l'année dernière. Donc, si vous voulez tenter votre chance, tout simplement, je vous mets les infos dans la description. Soyez connectés si vous avez la meilleure équipe de France en street football. C'est eux qu'il faudra battre. Filles et garçons. Ok? Allez, prochain shot, c'est parti. On va attendre Neymar tranquillement posé. Red Bull. C'est pas la première fois que je rentre dans Neymar. Je l'ai rencontré en 2011 au Brésil où j'ai pu lui faire le coup du t-shirt. Je l'ai rencontré en 2014 à Barcelone lors d'une pub. J'y ai fait un petit pont. Et aujourd'hui, on le rencontre pour le shooting Neymar 5, le tournoi de Red Bull. Et du coup, là, on va essayer de lui montrer quelques gestes et aussi d'apprendre un de ses gestes techniques que je ne maîtrise pas d'ailleurs. Et du coup, je vais compter sur lui pour qu'il m'apprenne ce geste. Ok, la youtubance. Vous savez quoi? Je m'appelle qui? Je m'appelle Coach Ian. Et Coach Ian, bah, il va vous expliquer un trick pour pouvoir jouer au Neymar 5. Okay, Neymar 5, c'est simple, c'est un tournoi. Si tu prends un but, ça élimine un joueur de ton équipe, ok? Donc ça se peut que tu vas te retrouver à tout seul contre toute l'équipe adverse, 1 contre 5. Donc du coup, si tu es le seul à être contre les autres mecs, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le coup du t-shirt. Ouais, tu fais le coup du t-shirt, tu la mets dans ton t-shirt, tu la caches et après tu cours tout droit au but. Tu te demandes comment ça se passe. Bah, tu dis au mec, viens, les 5 mecs qui viennent face à toi. Ensuite tu fais quoi? Tu fais feinte de frappe, tu montes sur le ballon, tout le monde part à l'ouest, ok? Ensuite tu te retournes, boum, tu mets la balle dans ton t-shirt, hop, et il se retourne, il ne sait pas où aller, tu prends la balle, tu cours jusqu'au but. Bon, je sais ce que tu vas me dire, ouais, on connaît ce trick depuis 2011, on l'a vu partout. Bon, allez, je t'en montre un nouveau, il n'y a pas de problème. Regarde, celui-là, c'est le coup de t-shirt, c'est pas derrière. Hop, hop, t'as la balle, face au défenseur, hop, hop, look in my eyes, baby, look in my eyes, voilà, c'est ça. Tac, tac, la balle est là, ouf, hop, elle est où? Elle est là, mon pote, ouais. Voilà, youtubeurs, c'était les petits conseils de Coach Ian. Tranquillement, on attend le Mister Neymar, Monsieur Neymar Junior de Assis de Nascimento. Je connais pas tout son nom. Et voilà, on va faire des tricks avec lui, c'est parti. Voilà. Oh,
Chose promise, chose due, je vous fais gagner cette Panaball signée par Neymar. Tout ce que t'as à faire, c'est d'aller sur mon Instagram et d'aller suivre toutes les indications qu'il y a sur le post qui est juste là. Mais là où je suis le plus actif, c'est sur Snapchat. Et d'ailleurs, demain, je fais un autre giveaway sur Snapchat. Donc, allez me suivre, le Snapchat, il est juste là. Sur ce Snap, c'est là où t'as toutes les infos en avant-première. Je vous appelle la Snapance. Je vous donne tout avant tout le monde. Donc, soyez sûr de me suivre sur Snap. Il est temps de vous expliquer comment on va rencontrer Neymar. En fait, Neymar, il fait son tournoi Neymar 5 chaque année. Le tournoi 5 contre 5. Red Bull Neymar Junior 5 está de volta. Cada jogo dura 10 minutos, numa quadra pequena e sem goleiro. Se sua equipe fizer um gol, você elimina o jogador da equipe adversária. Se vocês eliminarem todos os times do seu país, a viagem está garantida para a final de 2019, que será no meu instituto Neymar Junior. Il y a des milliers de participants dans tous les pays du monde. La finale se trouve au Brésil, généralement entre juin et juillet. Dans son institut, c'est un projet caritatif où il aide des jeunes Brésiliens à s'en sortir dans la vie. Donc, il a tout un complexe sportif dédié à ce projet. Donc, comme je vous le dis, la finale a lieu là-bas. Il y a tous les meilleurs joueurs de street du monde. Ils s'affrontent en 5 contre 5. Et bien sûr, Neymar, lors de cette finale, fait une apparition et généralement, on fait des dégâts. Donc il y a deux façons d'aller voir Neymar là-bas. Soit il t'invite, soit on s'invite soi-même en gagnant un des tickets qualificatifs pour la finale mondiale. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tournoi street, ça faisait longtemps que j'avais pas participé à une compétition, donc je me suis dit que j'allais créer ma team pour me qualifier à la finale du Neymar 5 et par la même occasion emmener certains d'entre vous de la YouTubeance. Eh oui, mon équipe, elle sera pas composée que de potes à moi, elle sera composée à 70% de personnes qui suivent cette chaîne. Donc le challenge sera de créer une toute nouvelle équipe composée de personnes qui ne se connaissent pas et de tenter de se qualifier pour le Neymar 5, et tout ceci sera filmé bien sûr sur la chaîne Coaché. Il y aura trois façons de participer à cette expérience. Premièrement, j'en ai déjà spoté certains d'entre vous lors des différentes détections, lors des différents événements ou des matchs que j'ai pu participer, même des vidéos. Donc je vais m'adresser directement à vous dans les 10 prochains jours. Si je t'appelle pas avant le 10 avril, ça veut dire que théoriquement t'es pas qualifié, mais il te reste encore une chance. Non, il te reste deux chances. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais créer une qualification online où tu vas devoir me convaincre de faire partie de cette équipe. Comment? C'est simple, tu m'envoies ton nom, ton prénom, toutes tes informations, mais surtout une vidéo où il y a tes skills, tes performances pendant les matchs et aussi une présentation de toi. Le but du jeu, c'est de me donner envie de te ramener avec moi dans mon équipe pour le Neymar 5. Donc envoie un email à l'adresse qui est juste là avec le plus d'informations et le plus de vidéos possible. Le résultat de cette détection online aura lieu le 20 avril où je prendrai contact directement avec vous. Enfin, dernière chance de qualification pour participer à cette expérience. Le 1er mai, il y aura une détection organisée sur Paris. Il faudra que tu viennes, que tu participes. Et ça va me permettre de faire mon final choice, le dernier choix, le dernier membre de l'équipe. Je vais le sélectionner en live. Ça va me permettre de voir comment vous jouez, comment vous comportez sur le terrain, comment vous vous comportez en équipe. Lors de cette journée, il y aura avec moi différents coachs et différents youtubeurs qui vont me permettre de faire le bon choix, je l'espère. Pareil, pour participer à cette détection, il faut m'envoyer toutes vos informations à cet email. Donc nom, prénom, âge, très important, club, le plus d'infos possible. Et si vous avez des vidéos, c'est encore mieux. Je vous demande des infos parce que ça va me permettre d'organiser au mieux la détection, parce que s'il y a un nombre incroyable de joueurs, il va falloir que je book différents terrains, il va falloir que j'organise pour que tout le monde puisse jouer, tout le monde ait la chance de participer. Donc c'est très important, envoyez-moi bien vos emails. Une fois que j'ai reçu les emails, je vous enverrai un message de confirmation et vous aurez le lieu, la date, l'heure, toutes les informations nécessaires pour participer à cette détection qui aura lieu, je le répète, le 1er mai. Vous me connaissez, j'ai envie de créer une équipe qui tient la route, qui est soudée, donc je vais chercher des profils comme des bons défenseurs, des milieux de terrain, des attaquants, des techniciens, des personnes qui jouent pour l'équipe, mais surtout des profils qui sortent du lot. Donc peu importe, fille, garçon, que tu sois grand, petit, je ne vais pas regarder ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu te comportes sur le terrain et avec tes coéquipiers. Donc si autour de toi, tu as un pote qui va pas forcément voir cette vidéo, mais qui tu penses qu'il a le profil exact pour faire partie de ma team,
contacte-le, montre-lui cette vidéo et pousse-le à envoyer son email. Tu te doutes bien qu'elle allait avoir quelques règles de participation. Eh oui, malheureusement, pour faire partie de cette équipe, il va falloir être âgé de plus de 16 ans. Et il va falloir aussi être disponible les dates suivantes. Le 1er, 2, 3, 4, 5 mai, le 17, 18 mai, le 25 mai et le 22 juin. Pour la simple et bonne raison qu'on va devoir faire des vidéos, qu'on va devoir s'entraîner et qu'on va devoir aussi se qualifier parce que c'est pas sûr qu'on aille jusqu'à la finale. Je vous rappelle également, si vous avez une équipe déjà, vous pouvez participer au Neymar 5 en vous inscrivant à l'une des étapes qualificatives qui est dans la description. Je pense que j'ai fait le tour pour le projet Neymar 5. En tout cas, pour moi, c'est une expérience de fou. Je vais essayer de créer ma team, ça me tient vraiment à cœur. Je vais essayer aussi de partager un maximum de mon expérience de joueur de foot, de freestyler et de joueur de street football avec les personnes qui vont faire partie de cette aventure. Mais également, je vais essayer de créer les vidéos les plus explicites et vous montrer le plus de choses lors de toute cette expérience. Comme ça fait longtemps que je vous ai pas parlé à la caméra, je vais faire une petite rubrique Urban Baller avec tous ceux qui postent des photos Urban Ball avec le hashtag sur Instagram. Voilà, bravo à tous, continuez à poster vos photos et la semaine prochaine lors du podcast, parce que je vais reprendre les podcasts, il y aura une rubrique Kill the Beat Urban Baller, la compétition qui a lieu sur Instagram. Il vous reste un tout petit peu de temps pour envoyer vos vidéos. C'est très simple, vous avez une Urban Ball, vous avez un son Urban Ball qui est disponible dans la description que vous voulez downloader. Il va falloir kill the beat, c'est-à-dire être sur le son en jouant avec son Urban Ball. Je vous montre un petit exemple. Kill the beat. La semaine prochaine, je ferai un top 3 des meilleurs clips Kill the Beat. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore le niveau pour faire ce genre de choses, c'est très simple. Il y a les stages Urban Ball qui auront lieu lors des vacances d'avril. Toutes les dates, toutes les villes sont dans la description également. Vous pouvez vous inscrire directement, vous cliquez sur le lien, vous appelez votre centre, vous demandez les horaires, les informations, ils vont tout vous donner. Et moi, je vous préviens que pendant cette période, je serai sur la France et il se peut que je passe à la plupart des centres. Donc, inscrivez-vous, les places sont limitées. Voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as kiffé. J'attends avec impatience tous vos mails et vos messages pour ce projet qui me tient à cœur et je ferai tout pour vous emmener au Brésil. Ah, c'est là qu'on va voir si je suis vraiment coaché. Mets un gros pouce bleu si t'as kiffé le projet. Dis-moi en commentaire ce que tu dirais à Neymar si jamais tu le rencontrais. Encore merci pour les 500 000 abonnés. On fera un petit live très très bientôt sur la chaîne et on se donne rendez-vous pour les 1 million d'abonnés. Si on peut le faire avant la fin de l'année, c'est la folie. Donc partagez au max la chaîne. Clique sur le coaché qui apparaît dans mon nouveau setup pour t'abonner à la chaîne. C'est bon, t'as cliqué. On se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye.